Tout doucement. Oh là, attendez, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il tient là? Pointez votre arme sur moi. Tu vas me prendre mon journal. D'accord, d'accord. Désolé, Nathan. Et maintenant? Maintenant, on attend l'arrivée de la police. Vous êtes vraiment sûr de vouloir vous infliger ça pour si peu? Arrêtez. Gâcher la vie de deux enfants, ça risque de vous torturer un bon bout de temps. J'aimerais mieux éviter de vous tirer dessus. S'il vous plaît, madame, laissez-nous partir. On n'a fait de mal à personne. Vous devez apprendre à assumer les conséquences de vos actes. Alors je reste et il part. Je l'ai amené ici pour qu'il puisse voir les affaires de notre mère. C'est tout, il a rien à voir avec tout ça. Quoi? Je vous dis que c'est moi le responsable. Non. Les affaires de votre mère? Oui, ce journal, il appartenait à notre mère. Vous êtes le fils de Cassandra Morgan? Oui. Bonjour. Oh mon Dieu! Mais j'aurais pu vous tuer! Oui, et d'ailleurs, vous le pouvez encore, alors... vous vous permettez? Vous connaissiez notre mère? Elle travaillait pour moi. Comme vous l'avez sûrement constaté, je suis une grande collectionneuse. Ben, avec tout ce qu'on a vu, c'est peu de le dire. Et donc, maman était votre traductrice? Votre mère était l'historienne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Nous aurions pu faire tant de choses ensemble. Mais elle est tombée malade. Désolée. Non, vous en faites pas. C'est arrivé il y a très longtemps. Elle a fait tant de découvertes. Mais celle-ci aurait été son plus grand triomphe. Sic parvis magna. La grandeur des petits débuts. La devise de Sir Francis Drake. Ouais, le latin et les personnages historiques. C'est de ça qu'on parlait à tous les dîners. On était une drôle de famille. Vous avez-elle parlé de ces théories concernant Sir Francis Drake et ses héritiers? Sir Francis Drake n'avait pas d'héritier. C'est ça. Ouais. Ça, c'est la version officielle de l'histoire. Mais votre mère et moi avions une autre théorie. Découvrir les secrets de ce vieux pirate est encore une aventure à laquelle je dois renoncer. Je dois renoncer à tant de choses. Pardonnez-moi. Les divagations d'une vieille femme. Tenez. Il vous appartient tout autant qu'à moi. Et qui sait? Peut-être que vous parviendrez un jour à terminer ce qu'elle avait commencé. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc... vous nous laissez partir, hein? Oui, je vais m'occuper de la police. Vous avez réussi à entrer. Alors vous trouverez bien un moyen de sortir, hein? Ouais. Attendez. Oh. C'est très gentil. Désolé pour le désordre. Mm. Bon, allez, tu viens, Nathan? On y va. Oh. Et vous allez bien? Oh, putain de merde! Non, 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 non! Hé! 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 Sam? Sam? C'est pas la vrai. Police.
Est-ce que ça va? Nate, il faut qu'on parte. On peut pas la laisser là. Si, il faut qu'on se tire d'ici. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. On peut plus rien faire pour elle. Allez, il faut qu'on y aille. Si jamais les flics nous trouvent ici, ils vont... Madame? Nathan! Il faut qu'on y aille. Tout de suite. Oh merde! Par là, la fenêtre, allez! Ok, toi tu vas voir à l'étage, toi, viens avec moi. Dépêche! Attends! Tiens, la cheminée. Viens. J'arrive. Putain. Ne vous attendez plus, les gars. Le portail n'est pas surveillé. Le portail. Compris. Ils sont dans la propriété. Ils sont armés. Moi pas, non. Restons prudents, alors. Ralenti. Ok. Ça va bien? Et toi là? Plus un geste! Allez, on court! Par ici! On va les semer! Ici l'officier Murphy! Nous tenons les deux suspects d'un cambriolage. Deux hommes là, deux autres vies. Plus un geste! Nom de Dieu! Bordel, les mains sur la tête! Arrête-toi, bordel! On court! Et allez! Je te tiens! Barre-toi vite, Nathan! Allez, on y va! Appel d'aéroport! Ça y est, c'est fait! Dernier avertissement! À terre, les mains sur la tête! Je te tiens! Oh merde! Allez, accroche-toi! Je crois qu'on est tiré d'affaire. Bon, et si on reprenait un peu notre souffle? Sacrée nuit, pas vrai? Sacrée nuit. Ouais. Cette vieille dame... Eh. Eh, écoute-moi bien. Ce qui est arrivé n'était pas notre faute. Tu sais, cette vieille dame... Elle était... malade. Et c'est normal que tu te sentes pas bien. Mais on n'aurait rien pu faire pour elle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu peux pas retourner à l'orphelinat. Et tu peux pas retourner au boulot. Alors on s'en va. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis sérieux. Ok, on met les voiles et on s'arrête pas avant d'être vraiment, vraiment loin. D'accord. Et la police nous retrouvera en un rien de temps. Sauf que la police recherchera Nathan et Samuel Morgan. Bah, nous, quoi. Plus pour longtemps. Nathan. Quand on était là-bas, tu as démontré que tu en savais autant sur tout ça que cette pauvre vieille dame. Écoute,
J'ai toujours pensé qu'on était promis à un destin extraordinaire. Mais jusqu'à ce soir, je savais pas pourquoi. Mais ça, tu vois, le travail inachevé de maman, c'est une opportunité de tout recommencer à zéro, avec une nouvelle identité. De quoi est-ce que tu parles ? Je connais deux ou trois types. Plutôt doués pour faire de faux papiers. Pour ce qui est de notre nouveau nom... Eh ben, maman pensait que Francis Drake avait des héritiers. Qui peut prétendre le contraire ? Tu plaisantes, là. T'es sérieux ? Nathan, tu vois pas que c'est notre destin ? Je peux te promettre que toi et moi, tous les deux, on ira super loin. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Nathan Drake. Plus rien n'a été pas...